Salam alaikum à tous les globis et les globinettes. Comment que ça va? Aujourd'hui, je vous présente ma femme pour les gens qui n'ont jamais rencontré ma femme auparavant. Peut-être vous l'avez vu dans des vidéos, mais ce soir, aujourd'hui, c'est le soir ici aux États-Unis, elle va m'aider à faire des super recettes avec les flocons d'avoine. La première recette, bien sûr, c'est la sienne. Ça, c'est une recette qui est froide. Froide, ok? Et elle adore faire ça. Spécialement les filles, je ne sais pas, les hommes, ils adorent bien les flocons d'avoine lorsqu'ils sont froids ou chauds. Moi, personnellement, le froid, j'aime pas. La vérité. So, what kind of ingredients do we need here? Well, for the oatmeal, we're going to do it with Greek yogurt. Des yaourts, mais yaourt bio. Ok? C'est un yaourt naturel. Second. We're going to do it with some oatmeal. One fourth cup. C'est-à-dire, en one fourth cup, c'est 200 grammes, 220 grammes, à peu près 60 grammes. 60 grammes de flocons d'avoine. Troisième ingrédient. And one fourth cup applesauce. One fourth cup. Sweet. Ça, c'est c'est des pommes, c'est une sauce de pommes. Je ne sais pas si vous avez ça. En France, je suis sûr que vous pouvez l'avoir. En Algérie, vous pouvez les cuire à la maison. Vous pouvez faire de la sauce aux pommes. C'est très très facile à faire. Ou vous pouvez utiliser. Can they use just normal apples? They can, can they? I haven't tried it that way. You haven't. So, elle l'a pas encore. Elle l'a pas encore. Elle est gentille. Elle est très gentille. Apples. Moi, je suis sauvage. Comment ça? Donc vous pouvez utiliser ça, la sauce de pommes, ou vous pouvez rajouter des pommes normales que vous pouvez vraiment cuire tout doucement. Donc avant de vous montrer ça. Just tell me the next ingredients. One third cup, this is almond milk, but you can use skim milk. Donc la sauce, c'est one fourth cup. Mm-hmm. One fourth cup en millilitres, attendez, genre directement. Moi je vais pas, je vais regarder dans ma main et je vais vous dire. One fourth cup, it's 60 millilitres de sauce de pomme. Regardez ça. And this is how many? One third cup. One third cup en millilitres, c'est 80 millilitres. That's it? Anything else? Yes, 1.5 teaspoon flax meal. Les grains de lin. Une cuillère et demie de grains de lin. Ok. What else? 1 teaspoon honey. What's the honey? This is the honey. Honey. Du miel, une cuillère de miel. That's it. Anything else? That's and it. Lastly, 1 teaspoon cinnamon. Du cinnamon, de la cannelle, une cuillère. Cuillère à café. This is one third. One fourth cup. One fourth, c'est les sauces de pomme. One fourth, c'est 60 millilitres. One fourth. Yaourt, one fourth, c'est-à-dire encore 60 millilitres. One third. One fourth. One fourth. 60 grammes, on a dit. And one third. One third. Et, this is just milk, right? Almond milk. Yeah. Ça, c'est du lait d'amande. En France, vous l'avez. En Algérie, vous pouvez utiliser le lait normal. Bio, si vous pouvez. Le bagra. Cherchez-le de la bagra. And now we're gonna just mix everything, right? Uh-huh. And let's sit overnight. Et maintenant, on va mixer tout et on va foutre tout dans le frigidaire. En Algérien, foutre tout dans le frigidaire. Et le lendemain matin, vous allez voir. Maintenant, je vais vous montrer comment on va mixer ça. Tiens, on va commencer directement le flocon d'avoine. D'abord. Next. 1 teaspoon cinnamon. Cinnamon, la cannelle. 2. 1.5 teaspoon flax meal. Flax meal, les grains de lin. Après. 1/3 cup milk, almond milk. Le lait d'amande, pas de lait soja. C'est les hommes, spécialement les hommes. Si vous voulez en pleurer, prenez du lait de soja. Et si vous voulez avoir des seins, prenez du lait de soja. Les femmes, vous allez pleurer encore, avoir encore plus d'estrogène. Prenez du lait de soja. Dégueulasse. Les dames, c'est super bon. 1/4 cup Greek yogurt. Talk to me. Yaourt. Les Algériens, on dit le yaourt. Les Français, vous dites un yaourt. Go. And 1 teaspoon of honey. Honey. I will suck at you. Okay. And? And 1/4 cup applesauce. Et la fin, les sauce de pomme.
Okay. That's it. Yes. Now we mix. Maintenant je vais montrer les bras. Comme ça. Comme vous voyez là. Je vais regarder l'autre caméra, pas celle-là. Là. So that's it. Mm-hmm. C'est fini, regardez, c'est là. C'est fini. Vous mixez, mixez, mixez. And then. Excuse me. Thank you. Yes? Yes. Yes. Vous allez mettre tout à l'intérieur. Je ne vais pas mettre tout dans l'intérieur parce que je sais que je vais mettre tout partout. Donc je vais mettre ça de ce côté. Et voici. Of course, they put this the night before. Yeah. In the fridge. Donc vous mettez ça dans le frigo. La nuit d'avant. Et le lendemain matin, vous l'avez pris. Donc, we're going to tell them about the... The portions, though. See, these are portions for women or men? That's a portion for women. The men will double it. Ça, c'est les portions pour les femmes, les hommes. Les hommes. That's doubler perfect. Tout. Et c'est super bon. Can I have the spoon? On n'a pas. On est tellement, tellement pauvres. Ici, on n'a pas beaucoup de cuillères. Voilà! It's nice. This is really nice. Seriously, c'est bon. Moi, personnellement, le froid, j'aime pas. C'est froid, mais c'est bon. La différence, bien sûr, le IG, comme les Français disent, le IG, l'index glycémique, il est bas, il reste bas. Bien sûr, il y a, c'est ça dans les flocons d'avoine. On ne s'excite pas parce qu'il y a, bien sûr, d'autres facteurs qui vont stimuler l'index glycémique dans tout ça, mais c'est bon. Laissez-nous un commentaire en bas. Pour les hommes, bien sûr, vous allez doubler tout. Deux de chaque. Jamo, Jenna, de Jim Cordez. Et le bébé vient tout sûr de se réveiller. On est foutu maintenant, on ne peut pas filmer du tout. Allez, on va débarquer. Nulguel, salam alaikum. Salam alaikum.